l'agence d'information du distributeur sur la télévision nationale du Burkina. C'est parti depuis ce matin, l'administration des épreuves écrites du concours direct de la fonction publique. Ils sont 905 000 candidats pour 11 000 postes à pourvoir. Les compositions sont réparties sur 2 semaines et le lancement officiel est donné ce matin à Ouagadougou au lycée Nelson Mandela par le ministre de la fonction publique. Les défis majeurs de cette édition sont donc de lutter contre les fraudes qui discréditent parfois les résultats. Parlons maintenant du carnet d'audience du Premier ministre. Paul Kabatieba a reçu ce matin en audience Vincent Le Pape, l'ambassadeur du Canada au Burkina. Avec le diplomate canadien, il a été question de recadrer la coopération avec le Burkina. Vincent Le Pape a promis le soutien de son pays à la mise en œuvre du PNDS dans les secteurs de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et de la formation professionnelle. Parlant d'autonomisation, l'expertise burkinabè se vend bien à l'étranger. Et c'est le cas du groupe Ebomaf qui a eu le marché de réhabilitation du tronçon béninois de l'axe Ouagadougou-Cotonou. Le projet est financé par l'État béninois à plus de 161 milliards de francs CFA sur le modèle partenariat public-privé. Le lancement des travaux a eu lieu la semaine dernière au Bénin. En agriculture, la lutte contre les ravageurs des cultures prend forme à Ouagadougou. Sous l'égide de la CEDEAO et de l'UEMOA, un atelier sur les stratégies de lutte contre les nuisibles des cultures est ouvert ce matin dans la capitale burkinabè. Les responsables des services nationaux de la protection végétale de l'Afrique de l'Ouest et les experts sont à pied d'œuvre pour lancer le Task Force, la force régionale de riposte contre les nuisibles dans les champs. Les collectivités territoriales se mettent à la page du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Une série de formations des collectivités est lancée ce matin à Kokologo, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Ouagadougou. Cette formation a pour but de renforcer le niveau de connaissance des acteurs locaux pour une bonne contribution à la gouvernance locale. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h avec Adama Koulibaly.